David Graziani, le managing director de Avamobile France. Avamobile, qui est une société spécialiste de la tablette durcie pour le monde du retail, qui travaille avec les grands du retail dans le monde et qui distribue au travers de grands intégrateurs comme NCR, Diebold et Fujitsu. Nos solutions sont adaptées particulièrement au monde du retail, donc c'est de la tablette que l'on qualifie de enterprise, car elles sont conçues pour résister à un environnement difficile du monde du magasin, du monde du retail. On a une longue expérience de plus de 10 ans dans ce domaine. Je voudrais vous présenter la solution Una, que l'on vient d'introduire sur la Paris Retail Week cette semaine. La solution Una a été développée pour le monde du retail. Elle consiste à proposer une solution de paiement enrichi pour permettre de recréer au moment du checkout, en magasin, une expérience proche de l'expérience que les clients vivent au moment d'un achat sur Internet. La solution Una est une solution de paiement, mais pas seulement. C'est beaucoup plus qu'une solution de paiement. On a développé dans le cloud une plateforme qui nous permet de nous connecter à des prestataires de services, dont des prestataires de services de paiement, qui vont nous permettre de processer du paiement, mais beaucoup plus que ça. Donc on va faire de la fidélité, du couponing, du paiement plusieurs fois, du micro-don. On va faire de la conversion de devises. On va faire des services que l'on ne connaît pas encore, mais que les clients vont inventer pour nous. Et notre architecture hardware en magasin permet de recevoir tous ces services de manière simple, flexible, dynamique. Donc on va redonner le pouvoir au marchand de décider comment il interagit avec ses clients, à quel moment il interagit avec ses clients et dans quel magasin il le fait. C'est dans ce sens que cette solution Una aujourd'hui est complètement révolutionnaire. On dit qu'elle est disruptive parce que personne n'a jamais interagi avec le client en magasin de cette manière-là et personne n'a tiré parti du moment du paiement pour faire autre chose que du paiement. Donc aujourd'hui, nous on dit le paiement est important en magasin, l'interaction avec le client est importante, enrichissons ce moment et redonnons le pouvoir au marchand de discuter, de dialoguer et d'établir un lien fort avec son client au moment du paiement. Sur cette Retail Week, nous avions deux objectifs. Le premier était de valider le concept. C'est un concept qui est innovant, révolutionnaire, disruptif. Donc on avait besoin de valider ce concept auprès de nos partenaires et des clients finaux, des retailers. Le retour des clients sur les deux premiers jours est excellent. On a un retour très positif, donc on est complètement rassuré. Et je pense qu'on peut dire que l'objectif est rempli déjà sur les deux premiers jours. Deuxième objectif pour 2019, c'est de démarrer des projets pilotes. Et on a quelques cibles qui sont, je pense, assez intéressées. Et je pense que rapidement, on sera en selle.